le ministre, vous êtes en porte-à-faux avec vos déclarations contenues dans votre procès verbal de déposition. Avec la permission de monsieur le président et de messieurs les assesseurs, je voudrais donner lecture de votre PV de déposition. Question des enquêteurs, des magistrats et instructeurs. Après les événements du 28 septembre, quel jour avez-vous été au stade? Réponse de monsieur le ministre que vous êtes, c'est seulement une semaine à 10 jours après que je me suis rendu au stade du 28 septembre en compagnie d'une équipe de la télévision nationale pour constater et prendre les images et dommages multiples qui y avaient été enregistrés. Il s'agit notamment des sièges qui avaient été endommagés à la loge officielle, des portes endommagées, des cabines de reportage et du tunnel d'accès endommagé. Copie de ces images se trouve à la disposition du haut commandement de la gendarmerie nationale. La commission nationale d'enquête doit avoir également les images. Oui, j'ai dit cela parce que lors de notre passage, la commission avait attesté justement avoir, je crois, les copies de ça. Effectivement. Donc, alors, vous voyez. Il n'y a pas de contradiction. Non, permettez-moi. Non, moi je vous ai demandé si une copie vous avez transmise. Non, vous avez transmis une copie. C'est pas moi qui a, c'est pas moi qui ai pris les copies, mais les copies ont été demandées certainement par les différentes commissions et les institutions. Mais je n'ai pas le droit de prendre. C'est comme si je faisais une censure. Moi, je fais couvrir mes activités. C'est à la presse de faire son travail. C'est une presse indépendante. Voilà. Oui. Donc. Les copies, ce n'est pas vous qui avez communiqué ces copies? Non. Au haut commandement? Non, pas du tout. Ce n'est pas vous qui les avez communiquées non plus et à la commission d'enquête? Je crois que c'est dans leur travail d'enquêteur qu'ils ont dû recevoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça dans votre déposition et c'est maintenant que vous apportez ces précisions? Mais c'est dans. Je vous dis que je ne peux pas vous réciter tout ce que j'ai dit. Écrit. Et ça s'est fait en 2000 combien? En 2013. Je ne peux pas, je n'ai pas une mémoire d'éléphant pour retenir tout. Je ne vous demande pas de réciter, voilà. Monsieur le ministre. Je vous fais revenir sur ce que vous avez dit. Voilà. Et vous pouvez ne pas reconnaître et vos déclarations. C'est votre droit. Et moi aussi, je suis en droit alors de revenir là-dessus. Bon. Et est-ce que vous vous rappelez également que dans le même procès verbal que vous avez eu à faire état d'un certain nombre d'éléments, et au nombre desquels vous parlez d'abord la gendarmerie. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, au moment où vous vous êtes rendu sur la scène du crime, qu'en ce moment, le haut commandement de la gendarmerie n'existait pas? Est-ce que vous le savez? Bon, non, je crois que ça existait. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en porte-à-faux avec le haut commandant de la gendarmerie qui est passé ici, qui a dit qu'en ce moment... Bon, si ça n'existait pas, en tout cas, la gendarmerie existait. Voilà, donc ça on est d'accord... Ça peut être un lapsus, oui. On est d'accord que, et en parlant de haut commandement en ce moment, vous êtes trompé. Certainement, je me suis trompé. Très bien. Oui. Et à quelle date précise vous avez été entendu par les... magistrat instructeur. Non, je ne me rappelle plus. Bon,
Je vais. Mais je sais que bon, je peux dire le nom du magistrat qui m'a entendu. C'était en 2014. C'est pas ce qu'il vous a demandé. 2014. Voilà, mais je me rappelle pas. 16 septembre 2014. Je me rappelle pas de la date. Ok. Je vous rappelle que c'était le 16 septembre 2014. Alors, est-ce que vous savez qu'une scène de crime est protégée et qu'il n'appartient à personne d'y intervenir avant les enquêteurs? Oui, ça je l'ai dit ici. Très bien. En introduction. Est-ce que vous savez qu'en faisant intervenir sur cette scène du crime, Monsieur Capessi et d'autres personnes qui étaient en votre compagnie, et puis votre directeur a dit que lui, il a reçu des instructions par rapport à la réhabilitation du stade. Est-ce que, en agissant ainsi, alors vous ne savez pas que vous avez modifié l'état des lieux? L'état des lieux n'a pas été modifié parce que. Comme j'ai dit tout de suite avec maître, je ne connais pas son nom, Jokame, que les travaux n'ont pas été effectués, j'ai demandé. Les travaux ont été effectués plus tard parce que le match n'a pas eu lieu. Attention. Est-ce que vous saviez que les commissions d'enquête qui sont intervenues au moment où il n'y avait plus aucune trace de ces événements malheureux, ce que vous êtes allé constater là-bas, et qui permettent de relever qu'il y a eu des crimes au stade du 28 septembre. Est-ce que vous savez qu'aucune commission d'enquête n'a pu relever cela? Mais je vous l'ai dit, lorsque la commission de. Comment on appelle ça? Internationale arrive 6-7 mois après, le stade, il ne peut pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Il y a des gens qui sont venus. Moi, j'ai suivi un peu le reportage sur France 24. Les gens ne sont venus que 9 mois après. On ne peut pas arrêter les activités. C'est vrai qu'il y a eu des morts d'hommes et tout ça. Mais est-ce que en ce moment, et cela signifie qu'en ce moment, il n'y avait pas de justice en Guinée, il n'y avait pas d'autorité habilitée à mener des enquêtes? Mais les enquêtes se menaient. Mais où est la preuve qu'il y a eu des constatations par rapport à cette scène de crime avant vous, votre arrivée, avant l'arrivée de votre équipe, avant l'arrivée des enquêteurs? Je ne suis pas ministre de la Sécurité, encore moins ministre de la Justice. Je ne peux pas vous le dire, maître. Et vous avez, l'une des réponses posées par la défense du capitaine Dadis, vous êtes allé jusqu'à affirmer que lorsque vous devez vous rendre là-bas, vous partez en tant que ministre et que cela relèverait de vos attributions et que vous n'avez pas besoin d'une quelconque autorisation à cet effet. Est-ce que en parlant ainsi, ce n'est pas parler de trop? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les débats antinomiques des différents groupes d'avocats. Non, mais je voudrais. Vous avez des affaires, vous allez assumer. Non, je parle en toute humilité de ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas voulu défendre Paul ou Pierre. Non. Je voudrais pas. C'est pas mon souhait de le faire, s'il vous plaît, maître. Lorsque vous avez agi ainsi, alors, monsieur le ministre, vous devez savoir que, en tant que ministre, alors, vous et tous ceux qui sont intervenus, vous êtes rendus coupables des modifications de l'état des lieux d'une scène de crime telle que prévue par l'article 52 de notre ancien code de procédure pénale qui était applicable en ce moment, et je vous en donne lecture. Article 52, il disposait: dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 5 000 à 50 000 francs guinéens, à toute personne non habilitée
de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou pour les soins à donner aux victimes. Si la destruction des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens. Vous voyez, et aujourd'hui, nous n'avons au dossier de la procédure aucun élément par rapport à ce qui s'est passé au stade. En tout cas, en ce qui concerne, dans notre jargon, ce qu'on appelle les pièces à conviction. Alors, parce que vous êtes intervenu, vous avez fait intervenir d'autres personnes et l'état des lieux a été modifié. Est-ce que... Non, maître. Permettez, s'il vous plaît. Et ce texte parle ici de personnes habilitées. Est-ce que vous étiez habilité à intervenir? Vous étiez une autorité chargée d'enquête au moment où vous intervenez sur la scène? Je précise ici que aucun indice de crime n'a été modifié. Je l'ai dit et je le répète, maître. Je l'ai dit de façon très claire, dans un français très simple, que la demande a été faite, le travail n'a pas été fait, le travail a été suspendu. Voilà. Et le stade est resté comme tel. Et je crois qu'il est de mon devoir, il était de mon devoir d'aller en tant que ministre de la République chargé de étant la tutelle du stade du 28 septembre, d'aller quand même voir ce qui s'est passé. Ça, aucun enquêteur ne peut m'en empêcher. Voilà. C'est là où vous vous trompez. Non, je ne pense pas. Gravement. Voilà, je continue. Je vais vous donner une partie, un passage, des conclusions des enquêteurs de la commission d'enquête internationale. Alors, il s'agit de la page 37, point 168. Et il est écrit ce qui suit. Selon son directeur, le stade a commencé à être repeint 2 jours après les événements. Cela aurait fait partie des travaux déjà planifiés et entamés avant les événements pour préparer le stade pour un match de football le 11 octobre entre la Guinée et le Burkina. Lors de sa visite au stade le 27 novembre, la commission a aussi été informée par les autorités compétentes que certains sièges, notamment dans la loge officielle, avaient été entièrement remplacés. Les raisons qui ont poussé les autorités guinéennes à intervenir sur ce qui constituait une scène de crime immédiatement après les événements, alors que des demandes avaient déjà été faites à ce moment-là par la communauté internationale et par le président lui-même pour la création d'une commission d'enquête et à détruire ainsi toute trace de violations commises ne peuvent s'expliquer aux yeux de la commission que par une volonté d'empêcher l'exploitation des éléments matériels qui pouvaient s'opposer à la thèse des autorités et rendre possible l'identification des auteurs. Voyez, ça, c'est ce que la commission d'enquête a eu à noter par rapport à ce que vous et vos techniciens ont eu à faire sur les lieux et les professionnels que vous avez fait intervenir pour ce que vous appelez la réhabilitation du stade. Je n'ai jamais parlé de réhabilitation du stade, maître. Si vous m'avez suivi, j'ai dit qu'il y avait... S'il vous plaît. Allez-y, oui.
Vous avez fini, laissez-moi parler. Oui, allez-y, je vous écoute. Je m'inscris en faux contre cette conclusion hâtive de la Commission internationale. Wow. Qui n'a jamais eu la courtoisie ou l'humilité, nous, de nous rencontrer, de discuter avec nous de cette question de l'événement du 28 septembre. Hein. De deux, il n'a jamais... Moi, je vais le 10 jours après, je retrouve les mêmes traces. Comment 2 jours après, on lave le stade où on fait de la peinture? Ce n'est pas vrai. Je m'inscris en faux, ce n'est pas vrai. Bon, la commission d'enquête, quand même... Oui, mais la commission d'enquête, de toute façon, le tribunal va en tirer les conséquences de droit, mais je ne pense pas que ce que la commission d'enquête a écrit est réel, parce que moi qui vous parle, je n'ai jamais eu à discuter avec un des membres de cette commission internationale. Je n'ai jamais été interpellé par rapport à ça. La commission nationale qui a été mise en place, par contre, m'a écouté, m'a entendu sur PV. Donc, et le travail qui a été commandité n'a pas été fait. Je précise encore. Moi, je vous comprends. Hein. Vous voilà. Êtes en droit de vous défendre et de couvrir ce qui a été fait. Hein, parce que vous êtes. Je vous ne êtes couvrirai. Part, s'il vous plaît, part. C'est bon, non, des questions. Finir. Maître, je ne couvrirai personne vous ici. Vous êtes quelque part comptable de c'est ce bon, qui hein. S'est passé non, sur le CNL. Je ne couvrirai personne ici. Je dirai ce qui est. Des questions maintenant. Voilà. Merci, monsieur le président. Merci. Je vais poursuivre. Vous aviez répondu à monsieur le procureur que vous êtes formel. Que vous n'êtes intervenu au stade que 10 jours après. Est-ce que vous le maintenez? Oui, je le maintiens. Mais est-ce que vous avez bien suivi la lecture de votre PV de déposition que j'ai faite tout à l'heure? Vous avez parlé d'une semaine à 10 jours. Mais c'est ce que j'ai dit, d'une semaine. J'ai été interrogé en 2014. Je ne peux pas retenir, j'ai dit d'une semaine à 10 jours. Là, quand vous dites que vous êtes formel, vous voyez ça. Je crois qu'il n'y a pas de débat pour vous, ça. Vous ne pouvez pas être formel dès lors que vous je avez suis formel, parlé alors, je, d'un intervalle de temps. Là, vous ne pouvez pas être formel. Je voudrais que la Cour s'il retienne s'il vous plaît, 10 jours. C'est bon. Voilà, ouais. Je continue. Et avez-vous participé le 28 septembre à une réunion des membres du gouvernement au camp Alpha Diallo, oui ou non? Oui, très je bien. L'ai dit, oui. C'était une réunion très speed et qui était présidée par le PM et qui nous a expliqué ce qui s'est passé et qui nous a instruit. Laissez-moi finir, après voilà, vous pouvez faire le développement. Vous avez déjà répondu. Alors, qui vous a invité à cette réunion? C'est le protocole d'État. Qui précisément le protocole d'État ça, c'est l'autre madame Doumbouya qui était à l'époque directrice du protocole. Mais c'est pas le président qui vous a invité? Non. Mais c'était sur son initiative, je crois. C'est pas le président qui vous a invité? C'est pas le président qui m'a appelé. C'est le protocole qui m'a appelé. Et il y avait d'autres ministres qui étaient là présents aussi. Quoi. Alors. Je vais donner lecture de votre PV d'audition en sa dernière page. Question. Le 28 septembre, avez-vous été au stade? Réponse, non. J'étais chez moi à Bessia. Je suis sorti de là que pour répondre dans la soirée à l'invitation du président de la République. Donc, quand j'ai dit que vous avez été invité par le président, vous dites non. Non, mais j'ai dit que c'est sur l'initiative du président. Non. Il était là, le premier ministre aussi était là. Je ne sais pas si vous... je vous ai demandé qui vous a invité. J'ai dit, si c'est le président, vous dites non. Et dans votre PV, vous dites que c'est sur l'invitation du président. C'est sur l'invitation du président. Voilà, c'est ça. C'est le protocole qui m'a appelé. C'est maintenant que vous répondez, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous couvrez? Continuons. Quel était l'objet de cette réunion? Je l'ai déjà dit, répondu. Et est-ce que des commissions ont-elles été mises en place à l'occasion de cette réunion? C'est après la réunion que les commissions ont été mises en place.
qui s'occupait des blessés et puis des morts aussi, qu'il fallait gérer. Qui présidait ces commissions? Je n'ai aucune idée parce que c'est du pouvoir discrétionnel du président de la République. C'est lui, je crois, qui a fait un décret pour nommer les gens. Vous, vous appartenez à un gouvernement qui organise une réunion à laquelle vous avez participé. Des commissions sont mises en place. Vous ne pouvez pas dire les noms des membres. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas au cours de la réunion que les commissions ont été mises en place. C'est une annonce qui a été faite. Et puis après, les actes ont suivi. Voilà. Donc, et la commission ne vous rendait pas compte en tant que membre du gouvernement dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale? Non. Je crois que les commissions travaillaient directement avec le président de la République. Avez-vous eu connaissance d'une autre commission qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major général de la gendarmerie, des forces armées au camp Samori? Je suis civil, administrateur, je ne suis pas militaire. Je n'ai jamais assisté à ça. Une commission de crise. Première nouvelle. Merci, Monsieur le Président, Jean-Étienne.